Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne 3, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo Vite Grenier Live, c'est le deuxième de l'année. J'espère qu'on va trouver des bonnes choses, allez, à tout de suite. Bonjour. Bonjour. On est fait à combien? 10, il m'a dit. 10, d'accord. Il m'a dit tu me fais ça 10 euros parce qu'il les a acheté ses 40 combien, je sais pas moi, il m'a dit tu vas. Il n'y a pas de souci. Je dis, normalement il tient à ce jeu, mais là il a dit que cela je les vends. Je la Wii, la PlayStation, la... Ouais, c'est Carole qui les a ramenés. C'est moi les parents. Là c'est Poulaillon en fait. J'ai envie de quelqu'un qui a un croissant, là depuis que tu Mais sinon, on va à la boue. Ça, c'est le film, non? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est le film, ça? Oui, c'est les dessins animés. Il y a plusieurs CD dedans. Bonjour. Bonjour, je peux voir les jeux? Merci. Vous avez que ça? Oui. C'est combien ça? 12. Parce que là, ouais. Vous les faites à combien? 12. Des pilotes. 3 euros. Après, si vous en prenez plusieurs, on peut voir. Plusieurs, on va prendre des couleurs. Non, c'est ça, si on n'a pas rien, j'ai rien. 3. Ça, t'as combien les consoles? Ça dépend lesquelles. La Super Nintendo, par exemple. 60. 60 avec une manette. D'accord. Et les câbles. Et la Mega Drive? La Mega Drive, pareil. Ah, je repasse ça après. Celui-là, 15 euros, celui-là, 8. Okay. Après, je vais vous laisser consoles. J'ai vu, c'est justement, je vais les décharger. J'ai une GameCube. Ah, je passerai après, pas de soucis. Marche. Merci, bonne journée. Au revoir. C'est vous qui êtes amateur botaniste ou... Deux, pardon. Botaniste? Non, ou non, amateur. Bouquiniste. Non, bouquiniste. Bouquiniste. Ça finit pareil. Ok. Non, ça c'est pas. Euros pièce, on serait à 26. Est-ce qu'on peut faire 20 ou... Non, je peux pas. Okay. Sérieux, pas c'est, marrant. Bonjour. Bonjour. Vous les faites à combien? Alors les jeux à 3 euros. D'accord. Et la DS à 15. À 15, d'accord. Non, mais c'est qui fait appeler. Attends. Il couvre pas, il couvre. Ça, c'est d'une taille 32, hein, si vous cherchez. Ok. Non, on n'a pas de ça chez monsieur. Non, ça, c'est les jouets, chérie. J'ai pas de ça chez monsieur. Maintenant, on n'en a plus des sachets. J'ai pas de ça. Ah.
Bonjour. Vous faites à combien de jours? Ça dépend ce que c'est. Cela c'est 4 euros. 4 euros? Ça aussi. C'est pareil. Aussi. Donc c'est chaud. Non, non. Bonjour, vous faites ça à combien? Attends, 10 secondes. Elle est à 25 euros. 25 euros, merci. Une maquette, c'est bon. Merci, chef. Le Mario Park, bonjour. Le Mario Park TV, vous êtes à combien? Ah, je voulais vendre l'ensemble. Le combien? 30. Le 30. D'accord, merci. Je vais voir ça. Pas de soucis. C'est combien le tour du bus? Ouais, 50 centimes. Pour voir. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Bonjour. Vous faites combien de jeux? 3 euros. 3 euros, merci. La pièce. Vous en prenez plusieurs, j'ai peur. D'accord, merci. Si je vous prends ces trois-là. Pardon? Si je vous prends ces trois-là. Les trois, ça ferait 3, 6, 9. Vous donnez 7 euros. 7 euros? Merci. Bon, je suis quand même content, j'ai pu trouver des jeux sympathiques. J'ai trouvé un jeu Wii U, c'est rare que je trouve des jeux Wii U, donc le Lego Jurassic World. De toute façon, tout ce qui est Lego, moi je suis très fan, j'aime bien ces petits jeux-là. Je l'ai payé 3 euros, il est complet. Sur un autre stand, j'ai pu trouver le Spider-Man, le Règne des Ombres. Complet aussi. Et le Batman, l'Alliance des Héros, le jeu vidéo. Alors lui, malheureusement, il manque la jaquette, mais bon, c'est pas très grave. Elle en voulait 8, mais en faisant mon petit tour, elle m'a revu, elle m'a dit elle me proposait 6 euros. Donc j'ai dit pourquoi pas, pour 6 euros, ça vaut le coup. Content de les avoir pris quand même. Sur un autre stand, j'ai pu trouver 3 jeux, c'était 3 euros pièce. Et elle m'avait dit si j'en prends plusieurs, elle me fait un prix. Donc je l'ai payé 7 euros, 3 jeux PSP. Le premier, c'est Lara Croft Tomb Raider Legend. Très bon jeu, moi je l'avais fait sur la PS2. Vraiment très sympathique. Après, il y avait aussi le Star Wars 2, la trilogie originale, en version platinum, mais c'est pas très grave. Comme je l'ai déjà dit avant, les jeux Lego, moi je suis très fan. Et le Spider-Man 3. Ils sont tous complets, en très bon état, donc je suis vraiment très content. Donc ça, comme j'ai dit, je l'ai payé 7 euros. Et là où je suis le plus content, bah, c'est deux jeux FF, donc les Final Fantasy. Donc déjà le premier, c'est le Final Fantasy 3. Tout ce qui est à partir du 2 jusqu'au 6, je ne les ai jamais fait. Le premier, je l'avais fait sur GBA, mais les autres, je ne les ai pas fait. Après, 7, 8, 9 et tout ça, je les ai fait. Il n'y a que sur la PS4 que je ne l'ai pas encore fait. Il y avait aussi le Final Fantasy 4. Donc vraiment très content, j'ai pas pu m'empêcher de voir s'il fonctionnait et de regarder les cinématiques.
C'est des jeux, de toute façon, je suis très fan. Déjà, mon jeu préféré, c'est le Final Fantasy VII, donc je suis vraiment très content. Je l'ai payé 6€, c'était une petite jeune qui les vendait, donc j'ai pas négocié, j'ai pas cherché à baisser le prix. Pour des Final Fantasy, je trouve que c'est un très bon prix. Dommage qu'il n'y a pas de boîtier et le livre et tout ce qui va avec, mais bon, c'est pas très grave, j'y trouverai bien un jour. Franchement, je suis quand même content de mes trouvailles, même si c'est vrai, il y avait des Mario Party 8 à 15€ avec des Mario Bros 8 à 15€ aussi, ça c'est abusé, ça je mets pas ce prix là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait une DS en boîte, bon elle n'était pas en très bon état donc je ne l'ai pas pris à 25€. Si elle était vraiment en bon état, oui je pense que je l'aurais pris, mais bon, elle n'était pas en bon état. En tout cas, je vous dis merci de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne RetroAxe, ciao ciao!